quoi? La bracha, on fait Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech HaOlam, Shakol Nia Bidvaru, on dit comme ça. Je suis désolé, moi. Je dis Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech HaOlam, Shakol Nia Bidvaru. Très bonne question. Bidvaru. Très bien. Excellente question. La question, elle est la question de Eli. Eli pose la question, pourquoi quand on fait une bracha, on dit Baruch Ata, béni sois-tu, l'Éternel, notre Dieu, Melech HaOlam, maître du monde, roi du monde, qui, alors en français ça va, hein, tu, qui a créé. Non, mais, non, qui a tout créé par sa parole. Par sa parole. Alors que normalement, hein, si je te parle à toi, béni sois-tu, que tu as tout créé par ta parole. Béni soit-il qui a créé tout par sa parole. Béni sois-tu qui a tout créé par ta parole. Pas béni sois-tu qui a tout créé par sa parole. De qui Dieu va dire, de qui tu parles, de moi ou d'un autre? Béni sois-tu qui l'a créé tout par sa parole. Ça cloche. Alors, regardez l'impact des brachot. Quand on fait une bracha, on est gorem iloui la shrina. On fait qu'il y a une élévation de la présence divine. Elle monte. Donc quand tu fais une bracha, tu parles à Dieu. Baruch ata Hashem. Regarde la force de l'âme Israël. Tu parles à Dieu comme s'il est là. Ata, toi. Du moment que tu as dit ça, tu as béni. Ata. Et béni, c'est que tu as amené un flux. Un flux d'en haut. Dans le nom de Dieu. Baruch ata Hashem. Ce flux fait qu'il y a une grande montée de la shrina. La présence divine, zip, elle monte. Elle n'est plus là. À qui tu dis Atta? Elle n'est plus là. Qui a créé? Tu parles déjà en tant qu'il, qui est caché. Comme ça que sont toutes les brachotes. Elles commencent toujours en tutoiement, elles finissent en troisième personne. Compris? T'as pas compris? On va dire que tu es Dieu. Alors comment je fais? Hachem, je t'ai loué. Loué, c'est-à-dire que je t'ai monté. Tic, tu décolles. Pourquoi je décolle? Parce que je t'ai fait monter. La divinité, il descend depuis, il est en haut, mais sa présence est ici en bas aussi. Elle est dans tous les mondes. Maintenant, nous, notre rôle, c'est faire monter. La Shrina, elle est avec nous. Elle est en exil. On dit que beaucoup de mitzvot ont fait la Kim Shrinta Me'afra pour remonter la Shrina du sable, de la terre. Et la Shrina, elle est en galoute, elle souffre. Tu vois qu'Am Israël souffre, c'est-à-dire qu'il y a... On est la Shrina, d'accord, elle est avec nous, on est une partie de Dieu. Quand Am, il s'est marqué dans la Gemara de Sanhedrin, lorsque quelqu'un il a mal, alors qu'est-ce que la Shrina? La Shrina, elle est « Aïe, j'ai mal !»« Aïe, j'ai mal !»« Kalam Izroi, j'ai mal à mon bras, j'ai mal à ma tête !» Comme ça dit la Shrina, parce que quand quelqu'un il a mal au bras ou il a mal à la tête, elle vit avec nous. Quand on fait des mitzvot, on fait remonter la Shrina vers le haut. Et quand on fait remonter, nous aussi on monte. On quitte le monde mauvais, noir, plus t'es vers le bas, plus c'est mauvais, plus on monte. Quand tu fais une bracha, tu fais une mitzvah très très grande. Tu amènes un flux de lumière dans la Shrina. Et elle, grâce à ce carburant de lumière que tu lui donnes, zip, elle monte, elle décolle du mal, elle va vers le bien. Jusqu'à là, tu comprends? Donc, quand moi je fais la bracha, Baruch Ata Hashem, je m'adresse à la Shrina, Baruch Ata Hashem. Quand je dis ces mots-là, qu'est-ce que j'ai fait? Baruch, béni tu es, béni, c'est que j'ai amené maintenant un flux de bénédiction, de lumière dans la Shrina. Qu'est-ce qu'elle fait? Dès que je dis ça, zip, elle décolle. Alors quand je continue dans la bracha, qui je peux le dire, as-tu? Elle n'est pas là. Elle est déjà là-haut. Quand je dis Hachem, c'est pas la Shrina, c'est Dieu, c'est pas la Shrina. Quand je dis Ata Hachem, c'est pas la Shrina. Pourquoi pas? La Shrina, c'est pas que je beaucoup, sinon c'est libre. C'est Yud Kevavke, tu fais Yud Kevavke. C'est un chibour de la dernière lettre de Yud Kevavke. Hey, c'est la Shrina. Yud, c'est la Hatzilut, c'est le quatrième monde le plus haut qu'il y a. C'est tout, tout monte. Tout monte, la Shrina aussi, elle monte. Ça veut dire qu'Akashbohu remonte. C'est comme si t'allais quoi, oui, bien sûr. Akashbohu il remonte. Regarde, il faut comprendre. On parle de notions très profondes. Quand on parle de Dieu, Dieu en tant que lui
dans sa vérité absolue, on n'a pas le droit d'en parler, il n'a pas de nom, on n'en parle pas, on n'y pense pas. Quand Dieu nous apparaît, c'est déjà avec un nom, c'est déjà une chose qui est beaucoup plus basse. Le nom de Dieu et lui font un, totalement un. Totalement un. Mais on s'adresse, on ne peut pas s'adresser comme moi, comme je m'adresse à vous, je m'adresse à vous. D'ailleurs, là, Nissiam, charmant jeune homme qui vient du Maroc, qu'on recommande. Bon, bref. D'accord ? Maintenant, moi, je parle à Nissiam. À qui je parle ? Est-ce que je parle à son steak ? Là, ce que je touche, là, c'est un morceau de steak. Je m'adresse au steak ou je m'adresse à lui ? À qui je veux parler ? C'est qui, toi ? C'est le steak ou c'est toi ? C'est toi. Et ce toi, je le vois ? Je le vois pas. Pourquoi je te regarde dans les yeux ? C'est la gélatine, tes yeux. Tu n'es pas de la gélatine. Oui, il y a une espèce d'énergie qu'on perçoit quand on regarde quelqu'un dans les yeux. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que les yeux, comme dit quelqu'un, c'est le reflet de l'âme, d'accord ? Les yeux, ça veut dire ça, c'est l'expression panim en hébreu, panim, c'est le visage, ça veut dire le mot pnim, qui est l'intérieur. L'intérieur, ça ne se voit pas sur le coude, pas trop du moins, d'accord ? Ça se voit plus sur le visage. Mais c'est-à-dire qu'il y a un chout, il y a un extérieur et il y a un pnim, il y a un intérieur. Donc moi je m'adresse à l'intérieur. C'est ça, cet intérieur, c'est à lui que je veux parler. Alors je regarde maintenant parce que dans les yeux, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il y a un trou. Alors je regarde bien dans le trou, là, qu'est-ce que je vois dans le trou ? Qu'est-ce qu'on voit dans le trou de l'œil ? On voit rien, messieurs, on voit rien, c'est tout noir, il n'y a rien à voir. Alors il est où, Nissiam, à qui je m'adresse ? Il n'est pas dans le trou. Il est où ? Eh bien, on ne le voit pas. On ne sait pas la forme qu'il a. On ne sait pas qui il est. Lui-même ne sait pas qui il est. Vous savez qui vous êtes ? Le matin, là, vous coiffez un peu les poils du steak. C'est pas vous. Vous, c'est vous. Vous, nous, on se connaît un peu par la volonté. On a des désirs qui sortent de nous. Mais ce que c'est, nous, on ne sait pas. Donc toute l'expression de l'être, c'est pas l'être, c'est une expression de l'être, qui est ta volonté, c'est l'expression la plus intime, ta pensée, ta parole, ton visage, d'accord ? Ces expressions. Dieu aussi. Dieu, on ne sait pas qui il est, on ne peut pas lui parler à lui. Comme je parle à Nissiam, je m'adresse, je veux parler à Nissiam, le bidu machin que je ne connais pas, je m'adresse au steak. Je m'adresse au steak. Et le steak... Il retranscrit, il exprime, il reflète ce que le vrai Nissiam y pense. Dieu idem. On ne peut pas parler à Dieu. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Rien du tout. Lui, il a donné un visage. C'est quoi un visage ? Son nom, Yudke Vavke. L'expression de lui, sa Torah, d'accord ? Il y a une expression de Dieu. Sa Torah, sa volonté, son nom, d'accord ? Son désir. Et nous, on s'adresse à ça, comme je m'adresse à un visage. Maintenant, le visage de moi et moi, c'est uni, ça va ensemble. Le visage de Dieu, le nom de Dieu et Dieu, c'est complètement un d'une unité qu'on ne peut pas imaginer, la plus grande unité qu'il puisse y avoir. La plus grande unité possible et imaginable. Hachem Echad ou Shmo Echad, Dieu est un, son nom est un. Ils font un complètement. Donc quand on parle de Yudke Vavke, c'est du nom de Dieu. Et ce nom de Dieu, il a comme un visage, il y a une histoire dans le visage. Ça monte, ça descend, il y a toute une construction. Quand on fait une bracha, on fait monter tous les mondes supérieurs, zik, toutes les réalités métaphysiques divines, zip, elles montent. Bracha. Bracha, ça veut dire amener un flux de lumière. T'amènes un flux de lumière, ça monte, c'est du carburant, ça monte. Mais sur quoi ça monte ? Ça veut dire quoi, ça monte ? De façon tout à fait bizarre. Tout le monde imagine, il y a une histoire dans la Gemara, il y a un rabbin, hein, le Rav, c'était Rabba, Rabba Bar Nachmani, il a demandé à deux de ses élèves, Abaye et Rabba, qui étaient encore des petits-enfants, il est où Dieu ? Un, il a levé le ciel, la main vers le ciel, l'autre, il est sorti de l'extérieur, il a levé la main vers le ciel. Et Rabba a dit, j'ai la promesse, je suis convaincu que ces deux-là seront deux grands dans Israël. C'est moi extraordinaire là-dedans. Ben de façon innée, personne, quand il pense à Dieu,
Il regarde en bas. Il regarde toujours en haut. Hein? Il est où Dieu? Quelqu'un va dire là? C'est bizarre. Les prisonniers graves dans les prisons, on les empêche de regarder le ciel. Interdiction formée, on ne peut pas voir le ciel. Ça casse. Le ciel, c'est proche de la divinité. Le tzitzit, on porte le tzitzit, qui est couleur de la mer, dans laquelle se reflète le ciel, qui est de la couleur du Kisakawa, du trône de gloire. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que le corps, notre corps, il est un reflet des réalités, de la réalité divine. Dans la divinité, il n'y a pas de haut et de bas et gauche à droite, ça n'existe pas, il n'y a pas, vu qu'il n'y a pas de matière, donc il n'y a pas de côté. Mais il y a une notion de haut, qu'on appelle ça de façon symbolique, proximité de Dieu, et bas, éloignement de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on met Dieu en haut et le mal vers le bas? Ben de façon innée, il y a une réalité pareille. Il y a une réalité pareille dans les mondes métaphysiques. Mais qu'on ne peut pas appeler haut et bas, parce qu'il n'y a pas de haut et bas. Il y a. On va appeler cela cause et effet. Et on a tendance à vouloir dire aussi, tout le monde dirait, la cause, elle est au-dessus de l'effet, c'est-à-dire elle est plus grande, plus forte. Comme quelqu'un de plus grand, il peut écraser celui qui est plus bas. La notion de hauteur, elle implique une notion de supériorité. Donc il y a supérieur et il y a inférieur. Dieu est supérieur des supérieurs, donc il est en haut. C'est ça en haut. Donc quand moi je fais une bracha maintenant, je fais monter. Donc je commence la bracha à la deuxième personne du singulier. Tu, béni sois-tu. Et je finis à la troisième, parce que le tu, il est parti, il est là, il est monté en haut. Il n'écoute pas la fin de la bracha. Si, depuis là-haut. Si je ne termine pas ma bracha, c'est comme si je l'avais déjà faite quand même, malgré tout. Si tu ne la termines pas, alors il y a un certain effet là-dedans. Le Rambam dit que tu l'as fait. Le Rambam dit, quelqu'un a dit, il a fait par exemple, l'autre jour j'étais à une roupa. Viens un des invités qui... Et il y a Sheva Brachot, il faut faire cette brachot. Et il vient, et il s'est trompé. Il a commencé par la première, il y a Boré Priya Geffen, c'est la première, et après il y en a encore six autres. Et lui, il a commencé par la première des six. Il a oublié Boré Priya Geffen. Il a dit, Baruch Ata Hashem, Kanou Melech HaOlam, Shakol Niya, Shakol Bara Lichvodo. Alors encore tout de suite, il a commencé le Shakol Bara Lichvodo, c'est une des six brachot, il y en a sept, il y a Boré Priya Geffen, après dans les sept brachot du mariage, la deuxième c'est Shakol Bara Lichvodo, que tout a été créé en son honneur de Dieu. Alors comment Shakol, tout le monde a dit, non, Boré Priya Geffen, hein, Boré Priya Geffen. Bon, alors quel bracha il a fait? La première, Boré Priya Geffen, ou la deuxième, Shakol Bara Lichvodo, Machloket Aposkim, discussion antédécisionnaire. D'après le Rambam, il est rendu quitte de Shakol Bara Lichvodo. Bien qu'il a fini Boré Priya Geffen, mais on va d'après l'intention que tu avais quand tu as dit le nom de Dieu. D'après les autres poskim, nos décisionnaires disent non, on va d'après ce que tu as dit. Machloket. Bon. Alors maintenant, le deuxième vient. J'ai dit à mon voisin, il n'a pas le droit de faire la bracha. Bon, ils vont m'écouter quelqu'un là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait la deuxième. Shakol Bara Lichvodo. Bracha le Batala. D'après le Rambam, tu fais deux fois la même bracha. Bénédiction en vain. Il fallait la baser, il ne fallait pas directement à la troisième. Tu imagines au mariage, on base une des brachot, le type il dit, voilà, j'ai commencé du pied gauche mon mariage. Ce qui est faux, ça ne peut rien avoir. Zahou. Donc, pour répondre à votre question, donc, quand tu fais Baruch HaTashem déjà, c'est un impact, rien que ça. C'est clair. Si on fait des Tilat Yadayim, comment je peux faire des Tilat Yadayim, on lève les mains, on fait chaque premier coup de bras. Dans la c'est par manque de concentration. C'est... Brachal Batala. Il faut dire après, Baruch Shem, quand quelqu'un fait une bracha en vain, Brachal Batala, il faut dire Baruch Shem, Kvod, Malchoto, Alam Vaed. Faire attention, parce que Brachal Batala, ça provoque Zera le Batala. La bouche, on a plusieurs niveaux, d'accord? On a l'expression du corps, on a l'expression de la bouche, l'expression de la pensée. Et la bouche, elle a une possibilité de créer. La pensée aussi, elle peut créer. Et l'organe sexuel peut créer aussi. Crée la vie. La bouche se dit paix en hébreu. L'organe sexuel s'appelle Mila en hébreu. Les deux ont la même valeur numérique, 85. Parce que les deux sont des bouches. Tu as une bouche du corps et tu as la bouche. L'un c'est le nefesh qui s'exprime par le corps et l'un c'est le rouar. Maintenant, quand avec la bouche du rouar tu fais
Zera le batala. Zera, une chose qui peut créer. Tu prononces le nom de Dieu, c'est une source de vie en vain. Ça provoque, après, le corps était aussi une source de vie en vain. Que Dieu nous en préserve. Mais c'est pas considéré comme un verra. Pas comme un verra, mais ça provoque. Il y a des, tout ce genre de choses. Quelqu'un qui fait un neder, par exemple, un vœu qu'il n'a pas, un vœu, c'est aussi de créer une réalité de spiritualité. Et qu'il tu casses ce vœu-là, ça provoque Zera le batala. Quelqu'un qui ment, qui utilise la parole, qui est soi-disant vérité, en fait, c'est un mensonge, d'accord ? Parler des filles, évidemment, tout ce qui est l'expression mauvaise de la langue, elle crée aussi Zera le batala. La shonara, c'est le pire. La shonara. Quelqu'un qui faisait Zera le batala, il appelait en Torah, il appelait Ra. Nous, on apprend, c'était les deux frères. Les deux grands frères, enfin les deux fils aînés de Yehuda. Le premier s'appelait Er, l'autre s'appelait Onan. Vaï Er Ra Ben Hachem. Et voici que Er était Ra aux yeux de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il avait une femme qui était très très belle, c'était Tamar, il ne voulait pas qu'elle tombe enceinte. Donc il faisait Zera le batala. Il ne voulait pas qu'elle tombe enceinte. Et Dieu l'a tué. R, c'est aussi la lettre Ra à l'envers. Donc on voit que le mot Ra, ça propose de Zera le batala que c'est dit. Ra dans la Torah, c'est Zera le batala. La Shon Hara, la langue du mal, la langue du Ra, même chose. C'est Zera le batala. Tu dis maintenant la langue qui est la source de vie pour tuer. Oui, Eli. Pourquoi on dit Shakol Varot, pas Shakol Nabiskoto ou quelque chose dans l'Europe. Pourquoi on a dit ces mots-là d'Afka? Dieu y parle. Ah oui, Shakol Nabidvaro. Il fait des paroles. Attends, je vais expliquer la question. La question de Eli. Eli, tu demandes pourquoi est-ce qu'on dit dans la bracha Shakol Nabidvaro que Dieu, quand on mange tout aliment commun qui ne fait pas partie des légumes, fruits, vin et pain ou pâtisserie, en fait Shakol Nabidvaro, que tout a été créé par sa parole. Tu poses la question pourquoi est-ce qu'on dit par sa parole qu'on dit par, tu m'as dit, par son mérite ou autre chose. Par sa volonté. Alors, je te pose une question. Est-ce que tu crois que vraiment Dieu, c'est par qui il a parlé? Il faut croire qu'il a parlé. Il y avait une bouche? Il y avait une langue? Cette orange-là, enfin, c'est pas cette orange-là, ce steak que je suis en train de manger, donc cette vache qu'il a créée un beau jour. C'est quand qu'il a dit? J'ai pas entendu qu'il a dit que la vache numéro 256 du troupeau naisse. J'ai pas entendu ça. C'est quoi la parole de Dieu? La parole, comme j'ai expliqué auparavant, Nisiam, il veut quelque chose. Il va l'exprimer. Comment ? Par la parole. Dieu, il veut quelque chose. Comment il l'exprime ? Par la parole. C'est quoi l'expression ? C'est la réalisation de la volonté. La volonté, tant qu'elle est, elle reste en toi, c'est une volonté que tu n'as pas réalisée. Tu veux quelque chose, mais tu ne l'as pas fait. C'est rien encore. Tu vas le réaliser. Réaliser, on appelle ça parole. Tu peux réaliser par une parole, par un acte. D'accord ? Je vais donner un exemple. Tu veux dire à ta fiancée que tu l'aimes. Tu veux exprimer maintenant. Tu te sens un amour fou. On va dire à Dieu, encore mieux. Tu veux dire à Dieu que tu l'aimes. Tu le sens très fort. Tant que c'est au niveau du sentiment, bon, c'est différent parce qu'il voit les pensées. Mais ta fiancée, elle ne voit pas les pensées. Il y a beaucoup de maris qui ont des problèmes, ils ne savent pas dire à leur femme qu'il l'aime. D'accord ? Elle sait très bien que je l'aime. Mais elle veut l'entendre. Mon cher ami, d'accord ? Donc, toi, tant que c'est en pensée, c'est très bien, mais il faut réaliser ça. Donc, toi, tu veux maintenant exprimer. Alors, tu exprimes, ah, parce que quand tu l'as dit, tu as envoyé le message d'amour. Il y a déjà une réalité. Dieu, maintenant, il voulait créer le monde. Volonté. Mais il faut que cette volonté, elle doit aussi se réaliser. Il crée le monde. Ce passage de la volonté à la réalisation s'appelle parole. C'est vrai qu'en hébreu, pourquoi parole ? Je vais expliquer ça l'autre jour, parce que comment Dieu va réaliser le monde ? Il va utiliser des forces divines, qui correspondent aux 22 lettres. Le mot lettre se dit en hébreu « hot ». « Hot » signifie « signe ». « Signe », c'est quoi « signe » ?« Signe » de autre chose. Les lettres, c'est des signes de forces divines, les 22 forces divines. Et Dieu va utiliser des forces divines comme ça, qui vont réaliser son désir. On appelle cela « parole ». C'est pour ça que tous les objets sur Terre, en hébreu, comme on appelle un objet, « davar ».« Davar », c'est synonyme du mot « parole ». Sous ces paroles. Oh, que belle parole, Eli. Nisiam, regarde toutes les belles paroles que nous sommes. D'accord ? Comment c'est marqué dans les Tehilim ? Donne-moi un sidour. Trouve-moi un sidour. Ouais.
le premier Tehillim qu'on lit le Shabbat matin. Hashamayim mesabrim kvod el. Le ciel exprime la gloire de Dieu. Au Maaseh Yadav et les actions de ses mains, Magid Arakia dit le firmament. Yom le yom yabi omer. Le jour au jour s'exprime. Velaila velaila. Et la nuit à la nuit, et Chavedat dira son avis. En Omer, il n'y a pas de parole. Ve en Dvarim, il n'y a pas, de nouveau le mot parole, synonyme. Blinishma, sans qu'on entende, Kolam est leur voix. Il y a une voix qui se fait sans parole. Ce n'est pas un film sans parole. Il y a une voix sans parole. La voix, c'est l'expression. Bechol aaret setzakavam. Dans toute la terre, on entend cette voix. Uviktsetevel milehem. Et leurs mots vont jusqu'au bout du monde. C'est quoi ces paroles-là dont on parle ici? L'expression de la volonté divine. C'est ça les paroles. Tout le monde, ce sont des paroles. C'est quoi les paroles? Dieu a voulu, il y a eu. Ce passage entre vouloir et être s'appelle parole. Le deuxième mot qu'on utilise pour dire en hébreu un objet, c'est chefet. C'est quoi chefet? C'est un désir. Ani chafetz lishtot Coca-Cola. J'ai envie de boire un Coca-Cola. Je désire un Coca-Cola. Les paroles, les objets du monde, ce sont des chafatzim. Ce sont des envies, des désirs de Dieu. Donc, nous allons dire que tout s'est fait par sa parole. Pas par sa volonté. La volonté, au contraire, c'est rester à l'état de volonté. Réalisation, en réalité, s'appelle parole. La volonté d'Hachem se réalisera. Il y a un systématisme entre sa volonté et sa réalisation. Mais c'est deux choses différentes. Il y a un qui a précédé l'autre. Bereshit, bara Elokim. Par un Reshit, par une chose première, Dieu a créé le monde. Quelle chose première? Il y a deux choses. Bête. Reshit, d'abord il y a une volonté, après il y a une pensée, et après il y a eu la réalisation. La volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Sa pensée, c'est la Torah. Et la relation, c'est le monde. Comme nous fonctionnons. Nous fonctionnons toujours. D'abord, on veut. Après, il y a une conceptualisation au niveau de la tête, d'accord, de la pensée. Le cerveau réfléchit. Il y a des mots. Qu'est-ce que je veux dire? Comment je vais agir? Et après, il y a l'action elle-même. Ou la langue qui se meut, ou le corps. Et plus profondément, il y a cinq niveaux. D'abord, Bereshit, ça veut dire chose primordiale. C'est quoi? La chose la plus proche de nous, c'est la volonté. Ça, je vais expliquer pourquoi c'est la volonté. Rabbi Yehuda Hassid, c'est un grand sage du Moyen-Âge, il a dit, si tu veux respecter quelqu'un, l'honorer. Comment tu peux l'honorer? Tu peux l'honorer parce qu'il est riche. Tu peux l'honorer parce qu'il est beau. Tu peux l'honorer parce qu'il est intelligent. Tu peux l'honorer parce qu'il est sage. Tu peux l'honorer parce qu'il est sympa. Tu peux l'honorer parce qu'il est mignon. D'accord? Qu'est-ce que j'en sais? D'accord? Rabbi Yehuda Hassid dit, tu ne l'honores pas. Tu honores son argent, c'est pas lui. Parce que s'il n'y a plus d'argent, tu ne vas plus l'honorer. Mais lui, il reste. Donc c'est pas lui qui t'honore son argent. Parce qu'il est intelligent, c'est pas lui non plus. Parce qu'un jour, il devient bête. Pourtant, il est toujours là. Idem sagesse, idem mignon, pauvreté défigurée, d'accord? N'importe quoi, d'accord? Il est aujourd'hui, il est en deuil, il n'est pas du tout sympa, il est tout à fait triste, pourtant, il est là. Alors, tu ne vas plus l'honorer. Alors, c'est qui honorer lui? C'est qui lui? Répond Rabbi Yehuda Hassid, Retsono Shaladam Hukevodo. Sa volonté, c'est ça, son respect. Lui, comme je dis, on ne sait pas ce que c'est. Bidule machin, on ne sait pas ce que c'est. Mais l'expression la plus intime de nous, c'est notre volonté. Dieu, on ne sait pas ce qu'il est. L'expression la plus intime qui peut venir de Dieu s'appelle sa volonté. La volonté, c'est avant la pensée. Quelqu'un, il a un sentiment, une idée, d'accord? Maintenant, entre l'idée et la pensée de l'idée, il y a énorme. Quelqu'un, il a un sentiment d'amour pour sa fiancée. Il veut l'exprimer. Alors, comment ça va? D'abord, il y a un sentiment. Après, il y a la pensée. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je lui parle en allemand, en hébreu. Chlibedisch, d'accord? Ça peut dire mein Herz, d'accord? Mon cœur, c'est... D'accord? On peut dire comme ça. D'accord, on peut, il faut voir dans quelle langue on va parler, d'accord, il faut savoir communiquer. Et après, donc volonté, pensée, parole. Donc première chose qu'il y a, c'est volonté. La première, elle est réchitite, elle est
primaire, la chose primordiale. Ensuite, comme j'ai dit, il y a la pensée, c'est les noms. Qu'est-ce que je vais dire? Après, il y a la voix. Mais la voix, il y a trois étapes dans la voix. C'est pas que le mot sort tout seul. D'abord, ça commence ici au niveau des cordes vocales. Ici, avec les cordes vocales, je peux prononcer quelque chose? Rien. Ici, si quelqu'un ne bouge pas les dents, la langue, le palais, etc., il y a un d'accord? C'est un cri, un cri. Aïe! Ça, c'est, voilà. Ah! Ça, c'est pas modulé. Remarque que le mot « ah », il est international. Tout le monde crie « ah » quand il a mal, d'accord? Ça, c'est pas encore modulé, c'est avant, c'est au niveau du cri. Après, la modulation au niveau de la bouche, on module la voix qui sort, et pour venir, le mot, il sort. C'est comme ça qu'on passe de la chose la plus profonde, la plus cachée, potentielle, à la réalité. Et nous sommes là pour faire exactement la volonté de Dieu. Comment? Il y a un schéma. 5 étapes. Volonté, pensée, les noms, la voix, la modulation et le mot. Les 5 livres de la Torah. Comment s'appelle le premier? Bereshit. Avec une chose première. Reshitit. Tout à l'origine. C'est la volonté. Après, Shemot, c'est quoi? Ils sont où les noms? Dans la pantaine, là. C'est la pensée. Après, Vaikra, il a crié. Ah, d'accord, là. Après, Bamidbar, dans le désert. Là, ça tombe dans... Bamidbar, c'est quoi Dabar? Dabar, Dabar, c'est un conducteur, c'est un dirigeant. Bamidbar, Medaber, ça veut dire il dirige, il module, il gère. Bamedaber, Medaber, Medaber. Comment finit le livre de Bamidbar? Vaishma Moshe a kol middaber mitochoel. Moshe, il entend le kol qui est middaber, qui est modulé depuis la tente d'assignation. C'est donc le fait de créer la parole. Et pour venir, le dernier livre, Dvarim. C'est quoi Dvarim? Les paroles. C'est le programme. Quand tu fais ça, tu deviens un avec Dieu. Tu deviens la main de Dieu, tu deviens l'objet qui a créé la volonté. Il y a la volonté, Dieu te doit. Et cela, on est une partie divine. On est associé à Dieu dans l'œuvre de création. Baruch Adonai, Olam Amen.